Ben et Titi, épisode 33. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ben et Titi. Donc nous sommes arrivés hier sur l'île de Kangaroo Island et il faut bien reconnaître, on n'a pas été déçus car pour nos premiers jours, nous avons pu observer un koala dans son milieu naturel. Donc il faut savoir que les koalas aiment bien se cacher dans les arbres d'eucalyptus. Et les arbres à koala, c'est là où les feuilles d'eucalyptus sont les plus fines, un peu jaunes, et des arbres un peu vieux, c'est vraiment leur coin. Donc aujourd'hui, on a décidé de s'offrir une entrée dans un wildlife park. Donc vous allez me dire, mais pourquoi payer pour voir des animaux emprisonnés? Donc on a tout simplement payer ce parc car pour 10 euros, 15 dollars, on peut porter des koalas. Et donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose qu'on n'a pas pu faire auparavant. Donc on va profiter d'être ici pour faire cela. Et il faut bien reconnaître que porter un koala dans le milieu naturel, ça peut être dangereux car ils ont des grosses griffes et ça peut faire mal. Donc on va voir. Voilà, bon c'est un peu tristoun parce qu'il est enfermé, mais au moins là on pourra le porter tout à l'heure en toute sécurité. Voilà, allez, on va jeter un coup d'œil. Ça fait un peu de la peine de les voir emprisonnés comme ça, mais malheureusement, c'est le seul moyen de pouvoir les approcher de très près sans prendre de risques, parce qu'ils ont vraiment des très grosses griffes. Et je vous donne rendez-vous demain pour les nouvelles aventures de Ben et Titi en Australie. Ciao, ciao!